Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On dit amen. Amen. La Bible dit, Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils. Lui. Afin qu'il puisse comprendre lui. Jésus a accepté de monter à la croix. Amen. Le plus c'est qu'il est. Mourir pour nos péchés. Jésus est monté parce que nous étions tous pécheurs. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire. Amen. Donc Jésus s'est tourné comme sacrifice. Il a porté la croix. Tes péchés, mes péchés. Il a porté la croix, ta souffrance. La dernière phrase de Jésus à la croix. L'accomplissement de ton miracle. L'accomplissement de ta délivrance. Tout ce que je vous demandais à mon nom. Amen. Il a accompli son miracle. Prenons nos vies dans Jacques, plutôt Jean le chapitre 14. Il y a des Bibles ici. Montrez-moi les Bibles. Je comprends pourquoi les sorciers vous mangent. Elles sont là. Montrez les Bibles. C'est que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serve dans mon cœur. Je sais que la Bible est vraie. Le verset 13. Amen. Amen. Jean le chapitre 14, le verset 13. Amen. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Je vous disais tout à l'heure que Jésus-Christ s'est donné comme sacrifice. Amen. Il a porté sur lui. La maladie. Il a porté ça à la croix. Il est monté à la croix avec tous nos péchés. Ta dernière parole à la croix. Tout est accompli. Pour cela qu'il est en son nom, il y a des miracles. Et donc, ce dont tu as besoin, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. Tu as quelqu'un, tu as besoin de Jésus. C'est tout ce que vous demandez à mon nom. Pour la voix que Dieu puisse demander quelque chose. Ce dont tu as besoin maintenant, d'avoir Jésus-Christ. Seigneur, si tu as Jésus, c'est la plus grande richesse au monde. Amen. Parce qu'il est tout ce que vous demandez à mon nom. Et nous, quels sont ceux qui veulent marcher avec Jésus? Il lève simplement le doigt. Ah, ouais, ok. On va voir comment il dit.
On accepte Jésus. On marche avec lui. On suit ses commandements. On fréquente une communauté. On est éclairé. On grandit dans la foi. C'est pas une question de nom, comme j'ai des difficultés. Je vous dis, Jésus-Christ, c'est pas une question de religion. Tu as raison de lui. Non, c'est ma religion, non. La situation dans laquelle tu te trouves, la solution prête. Et d'ailleurs, Vous avez Jésus. Aucun sorcier ne pourra vous. Il y a Jésus. Et Jésus. Tu es déçu de la sorcellerie. Quand je dors quelque part, c'est le sorcier qui a un problème. Moi je dis Amen, je dors. Amen. Amen. Parce qu'il a su ma protection. Dieu me protège. C'est tout. J'ai pas besoin de dire comme un village. Il y a tout pour lui. Comme je m'en au village, je n'ai plus. Je veux tout plutôt qu'un cas délicat. Et quand je vois que Jésus, c'est fini. Mais quand je dis qu'il y a un cas, le problème c'est que tu ne peux pas trancher avec lui. Alléluia. Amen. Il a un cas Jésus. C'est qu'il te faut aujourd'hui. C'est Jésus qui est là. Jésus, moi, il y a Jésus. Il a Jésus quand même. C'est fini. Eh bien, stop à la facilité. Il y a un peu de temps. Moi, j'ai pas peur. Amen. C'est une question de. J'ai cru en Jésus. Je suis parti d'une religion à notre religion. Et oui, par exemple, j'ai expérimenté la naissance de Jésus. Et il y a c'est fini. Mais il y a beaucoup de choses pas arrêtées dans ma vie. Oui, il y a eu un peu. Si tu as Jésus, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Oui, il y a eu un peu. Le Seigneur doit s'arrêter. Non, il y a un peu. La pauvreté doit s'arrêter. Il y a eu un peu. Le chômage. Et il est comment? Parce que la vie, c'est celui qui ne travaille pas, ne doit pas manger. Donne à Jésus-Christ. Donne à Jésus-Christ. Il nous ouvre les portes. Il va bénédiction. Il va bénédiction. Amen. Parce que celui qui a la clé. Non, c'est celui qui ouvre les portes. Moi, quand il est bénédiction. Amen. Il faut que Dieu te guérisse. Et là, la vie, Dieu dit. Mais la condition. Mais même lui. La seule qui. Et là, vous, je dis, il y a un peu de temps. Jésus-Christ. Non, monsieur le problème, oui, mais c'est bon. Tu peux être présent dans une communauté. Et pas de mais Jésus-Christ n'est pas au centre de ta vie. Pourquoi vous êtes tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Il n'est pas la communion. C'est ça ton problème. Mais il est bon.
Regardez Jésus. Amen, Jésus. Dans le jardin de cette manière, peu importe. Dans le jardin, si la coupe est éloignée, on va venir ici à mort. Mais non, pas moi, mais ta volonté. Et nous-mêmes, pour un cas, nous cherchons toujours la volonté de Dieu. Enfin, nous, il n'y a pas de problème de nous. Amen. Il te faut Jésus. Il n'y a qu'à Jésus. Amen. Amen. Il te faut Jésus. Il n'a qu'à Jésus. Et quand on a Jésus, Jésus on n'est plus dans le camp du diable. Et comme il est venu, on abandonne le diable. Et c'est le diable. Alléluia. Amen. Vous êtes une armée de Dieu. Dieu, amen. Allez, la voix. C'est quoi ça? Allez, non, non. Allez, la voix. Je sais pas si tu peux voir que ça. Et soit, tu veux dire que j'aime un endroit. Vous êtes une armée de Dieu. Allez, la voix. Je sais pas. Amen. C'est ça que le diable a peur de vous. Ah, ma Dieu, votre rien. Allez-y. J'ai dit mon quartier, la vie de mon quartier dépend de moi. Non, non, non. Là où il y a un peu de. Il s'en fout des païens. Là, c'est pareil, mais là, il s'en fout des païens. La godine, non. Amen. C'est pour ça qu'il est dans Matthieu 16, verset 19. Je vais vous donner la clé du royaume. On va venir à une autre. Je vois très peu le matin quand je finis de prier. Je commande dans l'esprit. Les morts qui devaient attaquer les gens dans mon quartier. Et libérer au nom de Dieu. Parce que quand tu es quelque part dans une maison, c'est une source de bénédiction. Enfant de Dieu. Moi, en cas de la. Parce qu'il t'a donné le pouvoir. On est mon tête. C'est toi qui dois délier. Mon épaté. C'est toi qui dois délier. Mon épaté, mon épaté. Et vous ne savez pas ce qui est en vous. Là, il y a le pain lui. Vous avez le pouvoir de délier. À ta tête, il y a un peu. De délier. Il y a un épaté. J'ai dit aux gens, je ne mourrai jamais. Il y a quoi dans un fond. Dans la circulation. Il a tombé pour. Il va tomber. Il y a un coup de main. Là, il y a un. Il a un oeil. Et j'ai vécu ça. L'ami, ceux qui ont suivi ma vidéo non plus. Bon, bien l'ami, il y a un ami. La voiture est partie 4 fois. Donc, il y a un moment là, elle s'est servie. Et puis, il y a un ami, il peut être. Sans problème. Oui. Parce que tout a forgé contre moi. Mais quand vous dites, il y a un côté. C'est la sans effet. Elle est venue ici quand même. Mon chauffeur, il est musulman. Moi, j'ai rien à voir. Mais, il y a un homme. Ça va, lui. Maintenant, je crois en Jésus. Oh, c'est gagné, on est né là, Jésus. Maintenant, là, je crois en Jésus. C'est gagné, là. Il dit, après les autres, il y a un petit bal, il y a un petit accident. Non, je dis, mais il y a un peu de problème. Tu dis pas, mais. Je lui dis, je lui dis. Vous promenez dans les faux coins, vous cherchez un petit bal. Après, j'ai mis la caille, il dit, c'est bon. Un petit accident. Et c'est une petite personne qui est dans. Tout à contre toi. Tu as Jésus. Et tu Jésus. Si tu as Jésus, et Jésus comme ça, tant de Dieu n'a plus de pouvoir sur toi. Allez, mon côté, c'est quelqu'un. Qui croit ça? Allez, Dieu. Allez, non, là. Amen. Tu as Jésus. Et quand je dis, le célibat ne va pas venir t'embrasser. Non, il ne faut pas ramener un jour plus. Vous irez être là, hein, célibat, célibat, célibat. C'est pas, maman. Dis quand il y a des aimants dedans. Amen. Amen. Célibat, la main t'embrasse jusqu'à. Les parents, appuyez au créateur de lui. Il vieillit quoi? Non, non, il n'y a quoi d'ailleurs. C'est pas normal. Il est con. Parce que le mari est une bénédiction. L'idée, il gagne pas. Amen. Le mariage est une bénédiction. Ni Dieu, ni pas. On dit amen. Amen. Il faut que Dieu vous donne l'or. Il a la gagné un coup. La forme de votre vie. On lui a pris un coup. Et c'est possible. Il est vraiment là. Amen. Parce qu'avec Jésus, le Bible, on damne à Jésus. On damne à la paix. Il est là. Il y a une paix. Non. Dieu va vous donner les hommes. Dieu te donnera l'homme que tu veux. Le prophétise pas. Il te donnera la femme. Comme ça. Il faut tomber sur la femme du Dieu. Sinon, on va t'envoyer en fait. Mais il te donne le monde. Si sa bouche n'est pas désarmée. On est libre. On va t'envoyer les lances pour qu'elle échappe.
pour cela qu'il y a un niveau des sangs et des amants de bouche. Mais vous qui vivez là, il y a un rendez-vous, un bureau. Les armes de bouche là-bas. Une dame de bouche. Je prends 1024 la même. Et quand il y a un peu de temps, c'est là que tu as posé. Moi, c'est pas pour tout le monde. Pour moi, je crois qu'on nous comprend. Pour le monde, nous. Voilà. Mais les gars, vous pas 1, pas 5. Et pas bon, pas bon. Bonsoir. Quand vous voulez marier une femme, regardez très bien. Maintenant, c'est. On a fait ça tout nous. Et il va te réveiller où? Parce que vous voyez les yeux là. Regardez, on va savoir le bagage chez nous. Ça ne connaît pas. On va encore nier. Hein? Ça ne connaît pas. Nier. Ça va les yeux. Regardez, quand même. Puis on va dire, on va voir. Maintenant, c'est bien. Sinon, ça va t'envoyer au monsieur. Et on pose quoi? La femme est une aide. Non, on est belle. La femme vient pour m'aider. On dit non, pas elle. Elle n'est pas pour me détruire. On dit non, pas pour me détruire. Quand j'ai besoin d'aide, ne garde pas ton aide pour on y le bon. C'est cela que tu as fait la femme. Nous, on a un moment. C'est le jour du rôle. On peut donner le Il va en venir, on dit amen. On dit amen.
Et puis il y a plein d'autres personnes en Afrique. Est-ce que vous êtes contre le mariage? Excusez-moi, parce que le mariage c'est la force sexuelle. Non, c'est-à-dire les mères, c'est-à-dire les mots, celui qui me convient, mais je vais assurer. Mais pour pas dire, mais il va faire. C'est tellement vrai. Il y a où Amen. Oui, mais si tu n'es pas prêt, c'est pas la peine. Et puis, pourquoi? Parce que le mariage a beaucoup de choses dedans. On ne va pas faire ma jarrière. Ça dépend de qui a donné sa route. On regarde la complication. C'est pas mauvais de faire ma jarrière. Vous allez placer ça. Pourquoi c'est vous? La fatigue. Parce que je ne dors pas la nuit. Et moi aussi. Je prie beaucoup. Et vous, voilà. Vos sorciers qui vous emmerdent là. Moi, ils les poutent la nuit. Amen. 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 Voilà, il y a toute cette fatigue qui s'est déclenchée à moi. Le nez, c'est le Eïda. Amen. C'est ça qui vient doucement. Voilà, doucement, doucement. Amen. Venez-vous debout. Allez-vous. Quelle sont ceux qui veulent accepter Jésus? Alors, mets la main sur ton cœur. Je n'ai pas l'impression. Je répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Merci de m'avoir accepté. Dans le nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Moi, je prie pour vous, s'il vous plaît. Amen. Oh, merci Jésus. La Bible déclare que tu ne remettrai jamais dehors celui qui vient à toi. Merci. Quoi que le don que Dieu a donné pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Merci pour ces bien-aimés qui viennent de t'accepter. Produit dans ses cœurs la conversion véritable. Oh Jésus. Et merci de te manifester. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. J'ai prié, on dit Amen. Amen. Voilà, veuillez vous asseoir. Amen. Je vous demande, vous êtes bénis. Je reçois une partie générale. Non, je vais doucement, doucement. Amen. Amen. Ça vous parle ici? Amen. Ça va? Amen. On a un sorcier là-bas. Allez, vous gagnez. C'est ça? Laisse le micro. Celui qui est sorcier n'a pas de ministre. Je l'ai dit, je l'ai dit. Qui t'a donné? Tu manges.
Non, et la prochaine. Vous savez qu'il y a un mot d'abord. Tu manges. Quoi? Là, il est comme. Il est comme. C'est mon esprit, est parti. Tu manges de l'or. C'est tout. Hein? Oui. Nous, toi, le prêtre a parlé. Ce n'est pas le prêtre. Hein? Non, pardon. Le micro, c'est bouche. Oui. Le prêtre a parlé. Oui. Pour qu'on te délivre. Oui. Hein? Oui. Je vous dis l'institut. Vous allez regarder les petits avant vos yeux qui brillent. Ah oui, il y a battu. Vous allez tomber. Regarde-moi une année. On m'a donné. Si tu n'as pas montré. Mais pas compris, j'en ai encore ni aimé. Il y a un qui est tombé sur une. Bleu. Donc, il y a un dialogue, il y a un coup. C'est qu'elle a montré au monsieur. Hein? On parle de votre frère. Elle a donné plein de bons au monsieur. On se donne des yeux. Au moment où le monsieur pense que. La... Il est en train de. Excusez-moi. Quand on a un dans le pot, avec elle, c'est elle qui fait la moelle. Je ne pas, mon parole, c'est. Donc elle a gâté tout en bas là-bas. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Malade. On est là. Bien sûr, on l'a délivré. Mais c'est quand même, on est donné dedans. Là, tu te dis. Donc vous voyez ça. On a qui le coup. Avant que tu maîtrises, elle peut rester avec elle. Amen. Dans le monde, on comprend. Tu vas tomber sur lui. Mon carrière est en tout cas pire. C'est qu'elle m'a rencontré. Je ne vais pas te dire. La vie, ça va? Je suis sorcière. Allô, comment? Oui, pardon. Je suis sorcière. Tu veux laisser? Il y a côté. Oui, je veux laisser. Et toi? Et toi? Oui, je suis sorcière. Non, ici c'est comme ça, c'est des gens même. Ils sont malades. Il y a un année quand il y a un gouvernement. Vous n'aurez pas la même manière de voir les choses. Je vais vous expliquer. Ici, là, c'est comme fini. Le stade est dans son temps. Ici, nous, on soigne les gens de la société. Il y a beaucoup de monde. Au contraire, nous avons plus compassion pour eux. Voilà. Ici, on ne va pas être sorcier. Quelle est l'extorsion l'aide à abandonner la société? Amen. Et pour moi, si le remède, c'est des aveugles. Il faut parler. On a déjà des séries sur toi? Non. Non. C'était ma fille quand elle a délivré. Mon garçon, elle a délivré. Vous êtes prêts à parler? Aniba, Aniba, vous connaissez Aniba. Oui. On va parler. Et toi, tu as déjà parlé, non? Mon père a déjà. Oui, j'avais déjà parlé. Tu as parlé, mets-toi là. Où sont tes parents? Alpha, oui, les gars. Béni. Oui, je t'ai déjà vu. J'ai vu là. Quand tu as vu, va. Non, lui, on t'a vu. Allez, ça va. Ok. Tu veux délivrer. Regardez ici. D'abord, quand un sorcier, une personne est dans la société. Comme maintenant cette personne a fait les aveux. Apparemment ça choque les gens. À un moment, et normal, c'est pas à huis clos. Il faut à lui qui fait la publique. A lui à lui qui se clôture. J'explique. Parce qu'ils sont dans une société secrète. Mais c'est moi qui pour vous donner. Tu vois, il y a le goût, je dois vous donner. Madame, viens, c'est qu'à traverser ça, viens. Non, c'est pas bon de voir les choses. Comment est-ce que c'est là? Vous avez David là? C'est moi Jésus. Non, je l'ai acheté. Thank you.
Ici, après les aveux, quand quelqu'un parle, quand la personne parle, je voulais pas dire, dégage. Quand la personne finit de parler, le nain qu'à vivre, quoi. On chasse le démon de la personne. Deux le commande à créer un démon. Écoutez très bien ce que je dis. Apprenez le plus haut. Quand la personne finit, on arrive au bas. Nous chassons les démons. Deux commandes à sortir. Après avoir chassé les démons, les deux la carrière, la personne vient collecter ses démons. Oui, le Olivier. Parce qu'il y a ce qu'on appelle pas le fait de ses démons. Et il s'en est pour Ricard, il compère ses démons. Il y a Wattabin. Le président de la République près de Stéphane de Montieu. Le président, le chef va venir, bien sûr. Tu finis ton doctorat, ta soutenance, tu viens de garder.